Alors, bonjour, bienvenue chez nous. Vous êtes dans mon petit atelier où je fais de la peinture depuis les années 1980. Mais avant de vous parler de moi, là, j'aimerais ça vous parler de un peu de l'histoire, de pour moi, de l'art. L'histoire que moi j'ai connue de l'art à Saint-Hyacinthe dans les années 70, alors que je revenais de mes études de Québec. Je voyais ici un peintre, un jeune peintre qui sortait des études des Beaux-Arts, André Robert, qui est devenu très célèbre, un professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, durant une trentaine d'années. Ce peintre-là avait une façon très spéciale de peindre, avec ses lignes noires sur fond blanc, faisait de magnifiques paysages. Dans les années ensuite, 77, un monsieur Martin Philippe, un ami de mon père, a ouvert une galerie d'art, la galerie Martin, sur la rue Tellier à Saint-Hyacinthe. Et c'est là, en 77, que moi, j'ai acheté mon premier tableau de Louis Tremblay, qui était un peintre de Charlevoix, qui faisait et qui fait encore d'ailleurs de magnifiques toiles de la région de Charlevoix. Et c'est ça qui m'a inspiré dans la continuation de mon vouloir de peindre, parce que c'est ça qui m'a amené à dire, ah, écoute, j'avais parlé à Louis en lui achetant son premier tableau. Le 30 septembre 1977, je m'en rappellerai toute ma vie, vous aurez l'occasion de le voir, ce tableau, dans mon atelier. Et quand j'ai acheté ça, j'ai dit, oui, serais-tu capable de faire ça, moi, des belles toiles comme ça? Ben, il me dit, écoute, si tu suis un petit peu de cours, tout ça, il dit, c'est sûr que les gens, quand tu as de la formation, tu es capable de faire quelque chose. Tout le monde est capable de peindre, avec une certaine formation. Fait que j'ai dit, OK, c'est là que, dans les années 80-81, j'ai commencé à avoir des formations en peinture. En 80, aux loisirs, en 1980, à Saint-Hyacinthe. Et en 1981, avec un professeur qui s'appelait Nelson Dupré, un artiste peintre là, magnifique, là, qui faisait des toiles, des portraits des joueurs du Canadien, pour dire. Alors, c'était un artiste reconnu. Je tenais un petit peu à vous parler là, de l'histoire de cette peinture à Saint-Hyacinthe, parce que j'aimerais bien, moi, qu'aujourd'hui, avec la bibliothèque, depuis des années, cette bibliothèque municipale reçoit des peintres qui font des vernissages, des peintres, des artistes peintres locaux, qui font des vernissages à la bibliothèque Théa Saint-Germain. Et à chaque vernissage, les peintres laissent une toile à cette bibliothèque. Et avec les années, on a construit une collection d'une centaine de tableaux, à mon humble avis. Et ces tableaux-là, qui sont réalisés par des artistes locaux, devraient être exposés, devraient être montrés. Et là, on aura l'occasion, à l'automne 2022, j'espère, avec l'ouverture de la nouvelle bibliothèque, d'être capable d'avoir une salle dédiée aux artistes locaux. Alors, c'est un petit peu le but là, de mon intérêt à parler de la peinture à Saint-Hyacinthe. Alors, dans cet atelier-là, j'ai plein de tableaux avec plein d'histoires. Et bon, je vais débuter avec ce fameux tableau de Louis Tremblay, un tableau qui représente des petites maisons des éboulements dans la région de Charlevoix, cette magnifique région. Une autre personne qui m'a influencé dans ma peinture, ça a été Mme Yvette Lapierre. Yvette Lapierre, je lui ai acheté ce tableau-là en 1982. Elle venait de le faire. C'est une toile qui représente le vieux palais de justice. Écoute, l'histoire de ça, c'est tellement... ce vieux palais de justice-là a été démoli en 1961, après 100 ans d'existence. Curieusement, celui qu'on a aujourd'hui, qui a été inauguré en 1966,
et a maintenant été délaissé et sera démoli, lui, après 56 ans d'existence. Alors, on peut dire que ce n'est pas la même longévité de palais de justice, de durée de vie. Alors, ce tableau de Yvette Lapierre, qui faisait des toiles de maisons ou de boutiques de la région de Saint-Hyacinthe, c'est ça qui m'a amené à faire des toiles sur les maisons historiques de la ville. Si on regarde les arbres de Mme Lapierre, ce sont des coups de pinceau à la Léo Ayotte. Léo Ayotte était un peintre pour moi aussi qui m'a inspiré beaucoup. Ce Léo Ayotte qui est venu d'ailleurs mourir à Saint-Hyacinthe en 1976. Ensuite, si on regarde ici rapidement là, le tour de mon atelier, j'ai ici une toile. Ça, c'est de la région de Saint-Denis-sur-Richelieu, avec un petit couple de jeunes mariés qui étaient Micheline et moi, en 2012. Ben ici, c'est une maison, une petite maison historique aussi de Saint-Denis-sur-Richelieu que j'ai baptisée comme toile « La forge à Jacob ». Alors, les Dionysiens de Saint-Denis vont reconnaître cette petite maison qui s'appelait « La forge à Jacob ». Je me souviens pas sur quelle rue on retrouvait cette maison, mais c'est une toile que j'ai réalisée en 1981, parce que dans les débuts de ma peinture, j'ai fait beaucoup de fleurs, puis beaucoup de petites maisons de la région de Saint-Denis. Des maisons ancestrales, je commençais déjà à en faire, avec les maisons de Saint-Denis-sur-Richelieu. Du temps où j'avais mon chalet à Saint-Ours. Alors c'était facile pour moi, les week-ends, d'aller faire des croquis, faire des dessins à Saint-Denis-sur-Richelieu. En 1980, je réalisais ce tableau, cette nature morte de lime et citron. J'étais déjà à ce moment-là, j'étais pas délinquant à ce moment-là. Je faisais des natures mortes comme les gens qui faisaient des natures mortes dans le temps, là, un peu plus de façon classique. Mais on voit mes coups de pinceau là, dans mes ciels ou dans mes fonds de tableau. Finalement, ça a toujours un peu resté les mêmes. J'ai toujours eu ce style-là. Sans le vouloir, c'est arrivé comme ça. On voit même aujourd'hui une des dernières toiles que je suis après faire. On regarde le ciel, là. Et puis, j'ai commencé mon tableau, puis c'est mes grands coups de pinceau dans le fond de mon tableau. C'est la même chose. Alors maintenant, je vais vous amener dans mes autres premiers tableaux ou mes fleurs. Mes fleurs parce que mon père était fleuriste. Hein? Et pour moi, peindre des fleurs, c'était plus simple parce que j'en avais travaillé beaucoup. J'en avais vendu avec mon père. J'avais travaillé dans sa boutique de fleurs. Et pour moi, c'était plus simple, il me semble, de faire des fleurs. Donc, j'ai commencé par dessiner et faire de la peinture avec mes fleurs. 1982, vraiment inspiré là, de Léo Ayotte. Ces pivoines-là, c'est une toile inspirée d'une toile de Léo Ayotte, mais on voit également, encore une fois, mon fond de tableau avec mes grands coups de pinceau et que je faisais au début puis qui sont demeurés aujourd'hui. Alors voilà, dans mes premiers tableaux, 1982, les pivoines à la Léo Ayotte. Plus tard, en 83, alors que j'étais à mon chalet de Saint-Ours, que je vous ai parlé tantôt, sur le bord de ma fenêtre, en arrière, c'est la rivière du Richelieu. On était en hiver ou au début du printemps, et j'avais fait ce tableau inspiré d'une poterie. Cette poterie qu'un de mes collègues, procureur de la Couronne dans le temps, avait réalisé, une poterie en colombin. Alors, il m'avait prêté sa poterie et j'avais placé des jonquilles dans cette poterie pour réaliser ce tableau en 1983. Après avoir suivi mes cours là, de 1980, j'ai été quelques années à ne pas pouvoir faire de tableaux. Mais à un moment donné, mon épouse est tombée malade et je me suis remis à peindre. Il faut dire que j'avais recommencé à peindre dans les années 95. Là. Mais là, on était rendu à l'année 2000. C'était ma première exposition solo
que j'ai fait à la bibliothèque Théa Saint-Germain à Saint-Hyacinthe en année 2000, que j'avais appelé Sérénité. Évidemment, j'étais en plein le temps où j'accompagnais mon épouse qui s'en allait lentement vers la mort. Et ce tableau-là, c'est un tableau que je lui ai fait alors qu'elle était aux soins palliatifs de l'Hôtel Dieu de Saint-Hyacinthe. Tableau inspiré par Ozias Leduc, le fameux peintre québécois qui a peint des magnifiques toiles dans l'église de Mont-Saint-Hilaire, par exemple, et qui faisait des anges. Je me suis pratiqué à faire des anges comme Ozias Leduc. Et dans ce tableau, Ozias Leduc, lui, avait appelé ce tableau la maison du passeur. Il avait mis sa lumière sur la maison. Mais moi, j'ai mis ma lumière dans le ciel pour faire monter mon ange dans le temps que j'ai appelé finalement l'envolée mystique de Suzanne, qui était l'autre nom de mon épouse, qui s'appelait Claudette, mais j'ai voulu me rappeler de son passage sur Terre en la faisant s'envoler au ciel comme un ange. C'est une toile que j'ai montrée à mon épouse une semaine avant sa mort et qui, à mon avis, l'a aidé à s'envoler. Une semaine plus tard, le 5 août 2000, elle nous quittait pour un monde meilleur. Dans une autre étape de mes créations, ce tableau de Mitsou, en tout cas qui est censé représenter Mitsou, je me suis amusé à faire des portraits. J'ai essayé de faire des portraits. Alors, devenir portraitiste, c'est quelque chose. Je suis un artiste peintre autodidacte, mais peut-être pas assez pour être un excellent portraitiste. Mais je vais vous montrer quand même quelques toiles que j'ai réalisées en faisant des portraits. À part de Mitsou, là, écoutez, ben, j'avais essayé de faire aussi une représentation de Penélope Cruz et avec sa chevelure. Alors voilà, Penélope Cruz, qui était un acrylique de 24 par 30. J'ai essayé de faire également Céline Dion. Ce que j'ai le plus réussi, à mon avis, c'était le portrait de ma belle-fille, Sabrina, en tout cas, je suis content de ce portrait parce que ça lui ressemble vraiment. Quant aux autres portraits de filles que j'ai ici, ben, j'ai Angelina Jolie, ensuite des portraits de filles que je ne connais pas, des top modèles. Si on peut parler de portraits, ici, Mimi au cochon dingue. Ça, là, c'est quand même intéressant parce que cette Mimi, c'est ma Micheline, mon épouse d'aujourd'hui. Et avec ce cochon dingue dans le Vieux-Québec, un restaurant que nous aimons, nous avons toujours apprécié, mais sur laquelle toile on voit, je peux appeler ça une de mes toiles signature, on voit ma fameuse bande fontaine en front de tableau qui donne de la chaleur à mon tableau avec Mimi, ma conjointe. Ici, c'est le coin des toiles pas finies. Alors, j'en ai deux, trois, là. Alors, ça, c'est le port de Chicago. Et c'est un magnifique port. On s'est promené là, en petit bateau là-dedans. Et j'ai voulu me faire un souvenir du port de Chicago, mais elle est à finir. J'ai une autre toile ici qui n'est pas finie, mais qui est là, est plus proche. Elle n'est pas à Chicago, elle est de l'autre bord de la rue. Elle est de l'autre bord de la rue ici, c'est la piscine de Saint-Hyacinthe, la piscine qu'on appelait dans le temps la piscine Laurier. On appelait ça souvent la piscine Pool, parce qu'en avant de la piscine, c'était marqué en grosses lettres « piscine Pool ». Et ça a été fait dans les années 40 ou 30. Et c'était une piscine qui était une des plus grandes au Canada, une piscine ronde en ciment, une des plus grandes au Canada du temps, qui avait été faite par le maire du temps, Télesphore Damien Bouchard, Tédé Bouchard. Comme vous avez pu voir en se promenant dans l'atelier, mon style de peinture, c'est de jouer avec des couleurs vives.
Alors, sortie du tube, bien souvent, j'aime bien faire des toiles colorées. Et mon style, quel est mon style? Ben, j'ai un style fantaisiste, je fais mes ciels. Mes ciels sont particuliers, toujours des ciels. On dirait que c'est orageux, mais c'est peut-être dans le fait que c'est moi. Je suis quelqu'un qui est extraverti, je pense, là. Et mes ciels bougent, là. Et j'ai des grands coups de pinceau pour mes ciels. Mes arbres dansent aussi. Mes arbres sont joyeux. Alors, je fais une peinture, à mon avis, joyeuse, fantaisiste, colorée. Et j'essaie toujours de mettre un peu de chaleur dans mes tableaux, soit avec mes bandes fontaines, soit avec, ici, j'ai un genre de Volkswagen rouge, là, avec la boutique du centre-ville à Maud-David. Cette passion pour les couleurs vives là, m'est venue depuis que j'étais tout jeune, dans le fond, ce que j'aimais colorier. Quand j'étais à la petite école, je n'étais pas très bon en dessin, c'est même ma mère qui faisait mes dessins, mais souvent m'aidait à faire mes dessins. Et bien moi, j'aimais colorier et j'aimais des couleurs vives. Et là, j'ai continué quand j'ai commencé à peindre. C'est ces couleurs-là qui m'intéressaient à faire. Puis c'est peut-être que j'ai fait de la peinture aussi depuis 1980 comme hobby. Et moi, c'était pour me détendre que je faisais ça. J'ai jamais fait de la peinture pour gagner ma vie. J'ai toujours fait de la peinture pour m'amuser. Alors, pour m'amuser, il fallait que ça soit joyeux. Hein? Je passais mes journées soit à faire condamner des bandits quand j'étais procureur de la couronne, ou soit à en condamner quand j'étais juge, ou en acquitter aussi. Mais c'était des journées difficiles à faire appliquer de la réglementation et tout ça. Mais en dehors du boulot, en dehors du travail, quand j'étais dans mon hobby d'artiste peintre, autodidacte, je lisais sur Léo Ayot, sur les peintres, les grands peintres, Monet, Gauguin et compagnie, et j'aimais leur style, et je faisais des tableaux colorés, comme souvent ces gens-là. Gauguin a fait des tableaux magnifiques, là, colorés. Depuis que je suis à la retraite, là, maintenant, je n'ai plus de devoir de réserve comme j'avais autrefois comme magistrat. Et là, maintenant, j'essaie de promouvoir mes amis, mes artistes peintres locaux, de promouvoir les artistes peintres qui ne sont pas connus ou reconnus. Et moi-même, j'ai ce que j'aurais jamais pensé faire, mais depuis début septembre l'année passée, 2021, je mets à chaque semaine sur Facebook deux ou trois tableaux par thème, simplement les afficher, les montrer mes tableaux, pour les promouvoir, pour montrer ce que des artistes locaux de Saint-Hyacinthe, des artistes mascoutins peuvent faire. Je n'ai pas besoin de mettre de prix non plus, ça ne me tente pas d'être mercantile. Les gens qui sont intéressés par de mes tableaux n'ont qu'à communiquer avec moi, et c'est tout. C'est ma promotion. Je monte mes tableaux et je les explique. J'explique l'histoire de mes tableaux, l'histoire des maisons ancestrales que je peins. Et je m'amuse beaucoup avec le côté historique de ces maisons ancestrales. Si la vie me le permet, pendant encore un bon dizaine d'années, j'aimerais bien pouvoir profiter de cet atelier pour travailler mes tableaux avec des spatules, avancer dans mon art et faire autre chose que je fais déjà. Je continue à écrire ma vie, mais j'aimerais mieux aussi être capable d'évoluer dans mon art de peindre et de jouer avec la spatule un peu plus, mais je n'ai pas encore commencé à faire de la spatule. Souvent, je peux arriver ici le matin à 10 h, puis je vais retourner chez nous à 5-6 h le soir. Je n'aurai pas dîné, je vais avoir oublié de dîner. Je n'ai pas bu ma bouteille d'eau à moitié.
puis je mange la gomme, puis c'est ma journée de peinture. Souvent, par contre, bien souvent. Généralement, quand je peins, là, je mets de la musique. J'ai 3-4 CD là, que je finis par être écœuré des ententes parce que je les change pas. Et je fais souvent jouer les mêmes. Je pourrais vous en faire jouer un tout de suite. C'est paisible souvent, où je vais mettre des styles Norah Jones, quelque chose de tranquille. C'est ça. Alors, un grand merci à toute l'équipe là, de cette émission magnifique de Ombre et Lumière qui va, j'espère, permettre de mettre beaucoup de lumière sur nos artistes locaux. Et d'autant plus qu'on aura la chance, et j'espère d'en avoir la chance aussi, avec cette nouvelle bibliothèque, d'avoir des salles d'exposition pour nos artistes locaux en art pictural, pour qu'on puisse les faire connaître et les faire reconnaître.